Je veux bien me mettre. Bonsoir. Bonsoir. C'est quoi ça? Ah, c'est le truc sur ma caméra. Bon, ben, ce sera obligé. Désolé. Coucou. Je sais pas si vous êtes là. Je sais pas si je parle dans le vide ou pas. Mais coucou. Désolée pour le retard. Je suis allée chercher la pizza. Oui. Désolée, mais le samedi soir chez nous, il y a un monsieur pizzaïolo qui passe dans notre village et on y va tous les samedis parce que c'est la meilleure chose de l'univers. C'est le meilleur, c'est lui. C'est trop bon. Voyez tous les boutons là, tous les... Ouais, voilà. Non, ça c'est parce que j'ai arrêté la pilule. Je l'ai vite reprise. Hein, parce que... Voilà. Mais aussi, je mange ça. Également. J'avais des Monster Munch aussi, je ne les ai pas emmenés. Et mon t-shirt, c'est un t-shirt de The Serpent and the Wings of Night. Ouais, vous savez. Je suis en train de filmer un vlog en plus, en même temps. Yann Bonnat. Voilà, ça va être un live mukbang, je suis désolée. Je viens d'acheter ça chez Action, les petits vidéos. Mais désolé, ça va être désolé. Désolé, ça va être live. En fait, je sais pas faire un live sans manger. Parce qu'en fait, je vous explique. Enfin, en fait, vous savez déjà. Beaucoup de. En fait, dans ce. Je me suis fait piquer par. J'ai de l'ADHD, désolé. Je suis vraiment. Dans tous les sens, je me suis fait piquer par un moustique hier parce que je suis sortie 2 secondes dehors. J'en ai marre de la canicule. Donc, là, on a le ventilo. Je suis obligée de le laisser, sinon je fonds. Voilà, mais j'en ai marre de la canicule, j'en ai marre. Et qu'est-ce que je disais? je sais plus. Oui, parce qu'en fait, je sors pas de chez moi. Et donc, par conséquent, je vais jamais au restaurant avec des amis. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, ça, c'est mon restaurant avec des amis. C'est les live pizza. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est triste. Comme on dit. Coucou au Québec, je sais pas quelle heure il est. Ici, il est 18h et je mange déjà. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde dans votre famille va bien. Notamment si vous avez de la famille au Maroc. Moi, j'ai de la famille au Maroc et normalement, tout va bien. Mais il y a eu un tremblement de terre, donc j'espère que ça va. J'espère que tout le monde va bien. Ouh, mais pardon, tout le monde parle déjà. Je suis déjà perdue. Déjà. Ah, il est midi? Ben, nickel. Bon app. Bon app au Québec, du coup. La pizza. Le monsieur, il n'est pas italien du tout. Mais c'est la meilleure pizza de l'univers. Et pourtant, j'ai mangé des pizzas en Italie. La meilleure, celle de Franche-Comté. Désolé. Ça bug. Pour qui ça bug? Est-ce que je bug encore? Est-ce que je bug encore? Mais j'ai pas beaucoup de wifi. Je sais pas pourquoi j'ai jamais de wifi. Jamais. Alors que je suis censée avoir la fibre. La wifi, elle me dit ça va. Lui, il me dit que j'ai 2 barres. Bof. Ah, ça se fige. Est-ce que ça bug encore? Freeze, un peu, oui. Ça va mieux? J'ai littéralement rien fait. J'ai rien fait. Mais je vois que la Wi-Fi est pourrie. Mais
Ils me disent, la connexion est instable. Si vous utilisez le Wi-Fi, essayez de vous connecter à votre routeur. Je suis déjà connectée. Sinon, je peux mettre la 4G. Oh, j'ai peur, il y a ma caméra. Je suis en train de filmer un vlog en même temps. Pour ceux qui me demandent, elle a à quoi ma pizza? C'est une pizza jambon fromage. Prosciutto. Eh oui. La vie. Alors, est-ce que ça bug encore? T'as pas aimé le royaume de Danée? C'était pas bien? Deux heures au livre sur la place pour faire dédicacer tous mes tomes de Witch and God. Oh, t'es où? Un enfer. J'aimerais tellement ne pas avoir à sortir de chez moi. Moi. Je tiens pas debout pour les dédicaces. Je tiens pas debout. Donc, du coup, soit je me faufile à la fin de la file, soit au début. Mais ça bug toujours. Est-ce que je mets la 4G? Mon téléphone, il va mourir, mais... C'est normal que ça a bugué, j'ai changé. Part de pizza. Est-ce que là... Ah ben non. Non, c'est normal, j'ai changé. J'ai mis la 4G. Est-ce que là, ça va mieux? J'ai l'impression que ça va mieux. Mais alors, soutenez-moi sur Patreon. Parce que là, j'ai plus de 4G. Mais donc, est-ce que là, ça va mieux? Si ça a coupé, c'est normal, c'est parce que j'ai enlevé la Wi-Fi, j'ai mis la 4G. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous entendez mes munch-munch en direct de pizza? J'aurais dû mettre mon super micro là. J'aurais fait ASMR. J'ai pas encore lu Ivy Wild et je sais que je vais adorer. Je sais. Mais toujours pas lu. Parce que je suis bête. Un peu flou, mais ça va. Franchement. Comme mon cerveau. Bien sûr qu'on m'entend. Désolé. On est là les patrons pour l'abonnement 4G. Merci. Des gros bisous à vous. C'est grâce à vous parce que sinon. Grâce à vous la pizza aussi. Elle est pas chère en plus. Incroyable cette pizza. Venez chez moi. Elle est à 7 euros, je crois. Le slander du royaume des damnés. Ok, il y a une enquête. Ok. Ok. Pareil, Kayana. J'ai pas encore lu. Crescent City non plus. Mais déjà, j'ai commencé Le sang et la cendre. J'ai eu deux pages.
Et je vais faire un vlog, je pense, sur cette saga, sur le sang et la cendre, parce que pareil, j'ai pas encore En vrai, j'ai pas lu toutes les sagas phares là. À part à Cotard, j'ai rien vu d'autre. Pour le sang et la cendre, j'ai déjà fait une vidéo ASMR où je mange pas. C'est mieux. Pardon. Mais en même temps, comme je vous disais quand ça buguait, je vous disais, je sors jamais de chez moi. Là, c'est mes parents qui sont sortis pour aller chercher la pizza. Et donc, je fais jamais de restaurant avec des amis. Donc là, c'est le restaurant avec les amis. C'est vous, les amis. Bienvenue. Je crois que ça bug encore. De ma vie. D'accord à cette nuit. 22 euros la pizza. Note en Franche-Comté. Hein. Note on my watch. Hein. Ça va pas. Non. Oh. Moi, je l'ai pris. J'étais pas bien, mais moi, parce que je l'ai pris. Oui, moi, je l'ai pris. Prenez bien vos cachets. N'oubliez pas vos cachets. Ouais, ça existe encore. Enfin, non. Quoique, il a augmenté 7 euros, c'était dans le temps. Et puis, moi, je suis encore dans le temps. Je crois que ça a augmenté à 8 euros quand même. Hein. Mais y a rien qu'à 10 euros déjà. Et voilà. Miam. Bon, l'avion va coûter plus cher que la pizza. 12 balles, mais vous habitez où? À Monaco? Ah, Aix-en-Provence. Oh, j'ai vu ça en librairie aujourd'hui. Je suis sortie aujourd'hui parce que je me suis forcée pour le ridaton et tout. Et je suis allée à la Fnac. Et je ne sais pas si c'est ces livres-là, mais les livres qui sont petits et qui sont beaux et qui brillent. J'ai vu ça et mon papa, il avait envie de les lire. Mais c'est ça, les petits livres qui sont beaux et qui brillent. Et je me demande ce que c'est et je me demande si je les achèterai pas parce que je aime bien. Faut que je mange avec la main gauche. Pont des tempêtes 2. C'est vrai que j'oublie qu'il y a vous avez le cliffhanger. Vous. À la fin du tome 1, moi j'ai direct lu le tome 2 en anglais. Mais nous aussi c'est savoyarde, on en a des savoyardes. Ma petite déco action, c'est ça. Je l'ai eu aujourd'hui, il y a une lampe, c'est pas une bougie, c'est une LED. J'ai acheté ça et j'ai acheté des petits pumpkins. Une jaune. Et une. Je vais les casser. Une orange. Voilà. Action. La vie. On est parfois plus nombreux en se faisant un resto avec soi-même. Moi. Grave, moi et vous. Parce que là, on est quand même 140. Donc,
Je sais pas vous, mais j'ai jamais fait un resto à 140, hein, perso. Franchement, allez vous chercher une pizza parce que j'ai même pas mangé la moitié. On comptera nos boutons ensemble pour nous occuper. Oui, j'ai réussi. Je suis allée jusque dans la ville. C'était dur et compliqué. Les deux. Malheur réussi. La main gauche. Fortwin. Trop bien. Et en parlant de cliffhanger, voilà, faudra attendre. Mais ça va, attendre novembre. Moi, je l'ai eu en. Je sais plus si c'était fin mai ou un truc comme ça. Donc, quand tu me disais novembre, quand on était fin mai, j'étais. depuis, j'ai oublié. Pardon. Ah, coucou, Emile! C'est bien du coup Blackwater. Est-ce que c'est quoi? C'est de la fantasy? C'est du steampunk? Que moi juste j'aime bien les objectifs. Red, white and royal. Blue, ma vie. Le film. Oui, aujourd'hui j'étais là pour prendre des trucs comme ça. Là, il y en avait plus que il y avait plus que ça. Et le reste c'était Noël. D'ailleurs, j'ai pris une petite tasse de Noël déjà. Parce que c'est déjà Noël. Donc voilà. Et d'ailleurs, mes achats d'aujourd'hui ont été inspirés par toi, Emeline. Parce que. Bon, déjà, j'ai acheté celui-là parce qu'il était beau. Et ça a l'air de la fantasy-fantasy. Je crois qu'il n'y a pas de romance. Et vraiment, il est magnifique. Et surtout, j'ai acheté ça parce que Emeline, elle a bien aimé. Et c'est de la aïe 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 fantasy. Je voulais déjà le lire en anglais parce que j'aimais trop les coups avec le dragon et tout. Et, mais le dragon, et sur le tome 2, il y aura un gros loup. Et ouais, mais ouais. De la aïe 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 fantasy pour un jour si je suis dans le mood. I guess. I guess. 35 degrés, je te jure. Marre. C'est en partie pour ça que je sors pas de chez moi et que j'étais pas bien ces dernières semaines parce que j'attendais que le temps soit bien là. Faut que je teste alors. Non, j'ai pas lu Redstone. Je l'ai. Il est là. Peut-être pas. Je l'ai. Mais ça me dit trop pareil chez Bragelonne. Bon appétit avec ton raisin. Un resto de raisin. On va l'inventer. On va l'inventer. De l'horreur. Ok. Je trouve que les livres, ils sont beaux. Mais est-ce que c'est les livres auxquels je pense? Les petits, là, qui sont plus petits que des poches, et qui ont tous des dorures et tout, qui sont beaux. J'ai vu ça en librairie, j'étais là, waouh! Les accords corrompus. Pareil, j'avais enchaîné. Bah en fait, le challenge était glacé dernier. J'avais enchaîné tous les tomes. C'était trop bien. Si. Si,
Si au fait je voulais lire de la cozy fantasy, j'ai même commencé le vlog, il y a un livre qui est lu, mais il n'y en a que un. Après, je suis bloquée sur Mid Gen Zen Latte. Je l'ai, mais je l'ouvre jamais, je le prends jamais, donc il faut que je le lise. Il faut que je finisse ce vlog. C'est juste que je suis en papane de lélé, de cul, de cul, de cul. J'ai bugué en même temps. De lélé, de cul, de cul. Ça rebug, je vais peut-être remettre la wifi. Mais oui, j'étais complètement. J'arrivais pas. C'est pour ça que j'ai fait ce readathon, au fait, parce que j'étais keblo. J'ai fini Drawed hier. Hier. Et j'aime pas le monsieur. Le monsieur dans ce tome 1 de Druid. Je ne sais pas dire autrement que Drawed. Je ne sais pas dire druide. Drawed. Comme de Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Bref. Mais donc, ouais, le monsieur, je bug. Est-ce que je bug pour vous? Est-ce que je bug pour vous? Est-ce que je remets? Je vous réponds en même temps. Oui, c'est vraiment la chaleur, c'est vraiment canicule, machin, parce que je suis pas bien, j'aime pas ce temps. Et donc, du coup, j'ai des boutons, je suis en train de mourir. Je peux plus rien faire, j'arrive pas à bouger, j'ai pas envie de lire, j'ai envie de rien. Donc. Mais oui, le monsieur dans Druid, il est méchant pas vous. Enfin, du moins, il m'a saoulé parce que il était chiant. Il a été chiant trop longtemps, c'est un enemies to lovers où lui, il aime pas la fille pour une raison. Trop bête là. Et donc voilà, mais en soi c'était hyper bien écrit et je l'ai dévoré comme ma pizza. Genre vraiment le tome 1 là de Druid, je l'ai lu en une soirée. Je l'ai fini hier soir, mais en vrai j'ai lu les trois quarts le soir d'avant. J'ai lu juste la fin hier soir, mais je l'ai dévoré le truc. Ça se dévore, ça se. Vraiment. Ça se lit trop bien. Et en soi, l'histoire est intéressante et j'ai vu que les autres tomes allaient être sur d'autres personnages. Du coup, j'ai envie de lire les autres tomes. J'avais pas envie, je vous avais dit dans le vlog, là, je vous ai dit, je ne sais pas si je vais lire les autres tomes parce que si ça continue sur les mêmes personnages, non. Mais si c'est d'autres personnages, alors oui, mais j'attends que le tome 3 y sorte. Parce qu'il n'est pas sorti. Le mukbang sera dispo en replay normalement. Madame. J'ai commencé. Mais j'ai jamais continué. Excusez-moi. Ah. Franchement, c'est tout un trip. En fait, c'est tout un. C'est un truc, c'est une période. Comme tu dis, quand tu lis à Cotard, t'as ta période à Cotard. Et t'es vraiment dans le monde et t'es vraiment dans le truc. Mais pendant longtemps. Et genre, t'es à fond pendant longtemps. Et ça arrive une fois. Et après, tu relis pour essayer de retrouver cette sensation. Mais ça n'est jamais pareil. Et du coup, tu pleures. Mais bref. Oui, c'est ça qu'il y a des Vikings. Du coup, je regardais ta vidéo et tu parlais de la série Viking. Pareil, la série Viking, est-ce que vous pensez que je vais aimer? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de la romance? Est-ce qu'il y a un petit peu des romances qui sont sympas? Ou est-ce que c'est trop, trop hard? Parce que je ne vais pas aimer. Le t-shirt Port Wing. Là, j'ai le t-shirt. Ah non. Je t'enlève juste pour. J'ai le t-shirt Serpent and the Wings of Night.
Yes, qui va sortir aussi en français. Le serpent et le dé quoi. Le descendant de la nuit. Ah, mon souris ne marche plus. Celui-là, je l'ai lu en anglais et je l'ai lu en audiobook, even. Et je l'ai trouvé sympa, mais sans plus. Je me rappelle plus du tout. Tout honnête. J'étais ah ouais. Yes. C'est tout. Je crois que j'ai mis 3 étoiles. Coucou, bienvenue dans ce mukbang. Ça va, je bug pas. On va rester en 4G. Mais si ça rebug une fois, je m'en. C'était censé être des sprints. Donc on était censé lire. Mais d'abord, il faut que je mange ma pizza. Désolé. Coucou Marie-Ange. Tout le monde, de bienvenue. Ah non, mais ma pire vie. Au lieu de dire canicule, j'ai failli dire tentacule. J'ai failli dire ma pire vie, c'est tentacule. Vraiment, la tentacule, j'en ai marre. Oui, le live sera en replay du coup. Je sais pas si je l'ai redit. Oui, je vais essayer de prendre les collecteurs du clan Bennett chez Bookmark. Je vais essayer. S'il y a tout le monde et leur mère qui est dessus, comme l'édition spéciale de Force Wing, bah, je l'ai eu quand même l'édition de Force Wing Fairy Loot. Mais ce que je fais, c'est que je suis en liste d'attente, mais comme pour les concerts. Et genre, je suis devant comme ça. Et il met 2 heures d'attente et je suis là, ok. Et comme j'ai de l'anxiété, je ne quitte pas la page, je ne fais pas autre chose en même temps, je ne mange pas, je fais rien. Je suis vraiment comme ça pendant 2 heures et j'attends que ça se rafraîchisse tout seul. Après, au bout de 2 heures, je suis là, acheter. Mais je crois qu'il n'y a que moi qui fais rien en même temps. Parce que j'ai trop peur. Anxiété. Pareil, aujourd'hui, je suis sortie un petit coup. J'avais vraiment de l'anxiété. On était devant la FNAC pour rentrer. Et j'ai dit à mon papa, je crois que je ne vais pas y aller, je crois qu'on va rentrer. Genre, on était devant. Et il était là, mais on est devant. On a fait tout le chemin. Du coup, et j'étais là, bon, ok, j'y vais. Mais j'ai failli repartir. J'ai failli. Merci. Oh, c'est quoi cette expression, sans frotter la manche? What is this? Une bête qui m'a attaqué. Ah! J'ai une bête qui m'a attaqué. Pourquoi il y a des bêtes? Hello? C'est pas à moi ça. Hein? Oh. Je connaissais pas l'expression sans frotter la manche. Ou frotter le manche. Je connaissais pas l'expression. Mais merci! Bienvenue le mois prochain, du coup. Enfin, bienvenue à toi. Le mois prochain, bienvenue. Je sais pas comment te dire. Merci. Et je commets des dégâts. Merci. J'ai craqué pour Zodiac Academy. Merci beaucoup. Ah, le tome 1 de la Cotard n'est pas bien. Il faut le dire. Il n'y a pas vraiment de romance, mais il y a Ragnar. Où? Ah, monsieur? Viking, j'ai beaucoup accroché. Jusqu'à une scène qui m'a tellement retourné l'estomac que j'ai arrêté à ça. Oh! Déjà que Outlander. Les gars. J'adore hein, la meilleure série, mais ah, c'était trop. Ah, c'était trop. Donc, voilà. Mais je pense que je vais essayer quand même Viking. Mais je suis trop fragile. Ça m'énerve. Moi, je veux de la romance, ok? Je suis trop fragile. Tiens. Bah en fait, oui, quand tu commences un bouquin et que tu le termines pas, c'est mauvais signe. Mais moi, je me suis rendu compte récemment
que Nini parce que il y a plein de bouquins où au début quand j'accroche pas je suis en mode ouais bah c'est bon ça veut dire que c'est pas un favori ça veut dire que j'aime pas machin mais récemment par exemple j'ai repris House of Beating Wings qui va sortir chez Corrigan là la maison aux ailes déployées et j'avais lu le début j'étais là ouais c'est nul j'aime pas l'écriture j'aime pas les personnages j'aime pas l'univers j'aime pas donc du coup j'arrête et après je l'ai repris et en fait j'ai adoré. J'ai adoré la fin du tome 1 et j'ai adoré le tome 2, un peu comme Akotar. Et après, je repense à Akotar et je t'en mode, mais oui, mais le début de Akotar, j'aimais pas. Et donc, maintenant, je redonne une seconde chance aux choses. Parce que si normalement je mange les trottoirs, les trottinoirs, parce qu'en plus, ils sont trop bons. Parce que la pâte est magnifique. Mais là, je ne suis pas concentrée. Ne suis pas à mon max de ma capacité mukbang-ish. Je suis pas concentrée, donc du coup, je mange déjà le reste parce qu'elle est déjà froide. Et le trottoir, le trottinoir, quand il est froid, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un peu comme du pain. Que ça, quand c'est froid, bon, de toute façon, c'est froid, mais. Il n'y a pas à réfléchir autant. Il n'y a pas. Voyez, c'est ça mon problème. C'est pour ça que j'ai adoré Blade of Secrets, Trisha Liebenseler, où la fille avait de l'anxiété. Les gens, sur leur review, ils disaient que c'était fatigant d'être dans la tête de la fille parce qu'elle réfléchit pendant des heures sur des trucs. On s'en fout, mais vraiment pendant des heures et des heures. Et c'était là, c'est trop chiant. Et moi, je disais, ah bah oui, bah, bienvenue dans mon cerveau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi qui m'y connais pas du tout, je sais que c'est young adulte et qu'il y a peut-être un petit peu. Brandon Sanderson, normalement, il n'y a pas de romance, il n'est pas, voilà, il est pas friand de romance du tout. Mais là, c'est plus young adulte, Skyward. Il me semble qu'il y a un petit tout truc, mais vraiment petit. Marche. J'ai commencé à te suivre alors que tu lisais de la romance et moi surtout de la fantasy. Tu as basculé dans la romantasy. Je commence lentement l'ascension dans la fantasy. Franchement, oui. Mais faut qu'il y ait de la romance hein, quand même, hein. Ah, quand même, hein, papa, quand même. Ça rebug. Je vais gagner. Mais, j'avoue. J'avoue, cette année, j'ai lu plein de high fantasy, enfin, plus que d'habitude. Et j'ai envie d'en lire. Et des fois, j'ai la patience. Pour, genre, vous savez, la mini-romance, là, le mini. Petit bout de romance dans ces livres comme ça, parce que. Là, c'est pareil, je pense qu'il n'y en a pas, mais j'espère toujours qu'il y a un tout petit truc entre deux personnages et que je sois là. Ouh! On sait jamais. Pas trop de romance dans Viking, mais il y a le perso de Lagertha. On va voir ça. Coucou en live pour la première fois. Je fais pas souvent des lives, mais à chaque fois je mange une pizza. Sais pas si ça intéresse qui que ce soit. 1 000 euros. J'aime bien mon édition de Fourth Wing, mais en même temps, 1 000 euros. Ça va finir sur une. Non, en vrai. C'est ça le pire, c'est que je revends rien en plus. J'en ai plein, 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 plein. Des éditions spéciales qui coûtent super cher et qui valent super cher. Et je les vends pas du tout. Parce que je les voulais à la base. Donc je les veux et je les regarde et tout. Et je me dis, purée, tu mettrais sur Vinted ou je sais pas quoi. Ça te ferait du coup 1 000 euros, mais non. Je
Ah, parce que je sais pas comment j'ai fait pour le truc de Fort Wing. Je te dis, je suis restée collée comme ça à la page, mais je crois que c'est un truc de chance. Ah, je connaissais pas frotter la manche. La manche. Je croyais les stays. Mon Dieu, j'ai lu les stays à la place de les stats. Et les stays, c'est les gens qui sont fans de Stray Kids. Stray Kids dans ma tête tout le temps, c'est un groupe de K-pop si jamais. La Guilde des Ombres, et bah aïe 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 fantasy, et pareil la romance. C'est encore pire parce que au début, t'as une romance dark et toxique et gênante, t'es tout du long, t'es comme moi. Donc, et ça dure longtemps. Et après, t'as une autre romance qui va déjà un peu mieux, mais qui dure longtemps aussi. Et genre, voilà, je me suis asséchée. Les trottinoirs, tu connais pas, c'est moi qui me... À la place du trottoir, le trottinoir. La nouvelle édition de Prince Captif, je crois bien qu'elle est là. Là. Vous voyez, j'ai une enveloppe avec un truc de la part de Brajolon. Et c'est un toc-toc. Et je crois bien que c'est l'édition de Prince Captif, mais je peux pas l'ouvrir maintenant parce que je vais l'ouvrir dans ma vidéo unboxing. Je crois bien qu'elle est là. Mais 39 euros? En même temps, ça regroupe. Si ça regroupe tout, je sais pas comment ils ont tout regroupé d'ailleurs, avec toutes les nouvelles et tout. Alors, elle est jambon fromage, mais elle est bientôt plus. Je mangerai les trottinoirs, vous inquiétez pas. Mais jambon fromage prosciutto, c'est pas du tout comme ça que ça se prononce. Et donc oui. Allez. Kids. Les meilleurs. Oui, il y a The Night and It's Moon. Mais j'ai tellement de trucs. En fait, maintenant tout le monde sort des collecteurs. Et en fait, j'ai tous envie de les lire. Et est-ce que je lis moi? Ben non, parce que je suis en panne de lecture. Ah, mais ça, sorry, je vous réponds. Je suis perdue. Je suis perdue, mais du coup, pour la Guilde des Ombres, j'en suis toujours au tome 2. En fait, wherever is la scène olé olé qui est coupée. Vous-même, vous savez, je pense que c'est dans le 2.2. Je crois. C'est là que je me suis arrêtée. Donc j'avais presque fini. J'étais à 80% du 2.2. Donc il me reste que le 3 à lire. Le 3.1, 3.2. Mais à 80% du 2.2, l'outrecuidance de nous faire attendre pour une scène olé olé pendant 50 tomes là, et d'un coup ça commence et et ben moi aussi j'ai arrêté, tiens. J'ai arrêté de lire à ce moment-là, donc j'en suis à 80% du 2.2. Ah non, c'est pas en France, désolé, on n'appelle pas ça les trottinoirs en France, c'est juste moi qui déforme tous les mots. Quand j'étais petite, enfin, en fait, c'est mon papa qui disait ça pour rigoler, à la place de dire les trottoirs. Mais en vrai, oui, les bords, les crusts, là, les bords de pizza, on appelle ça les trottoirs. On appelle ça la croûte, I guess. Aussi, voilà, la croûte. Mais sinon, un trottoir. Et mon papa disait un trottinoir. Et du coup, je dis un trottinoir tout J'aimerais trop. J'aimerais trop aller à la Wacom. Mais je sais pas. Parce que Iman, elle y va pas. Elle m'a dit récemment. Et donc, du coup, je sais pas. Et je sais même pas quand c'est. Du coup, je sais pas doublement.
C'est fait pour. C'est le live. Miam miam. J'ai reçu, il est là dans une pile. Le collecteur de Broken Bones. C'est pareil, il faut que je le lise. Ça va être smutty, t'inquiète. TKT. Je pense que c'est bon. Ouais. Je ne l'ai même pas lu, mais c'est bon. TKT. C'est pas la guilde des ombres. C'est de la romance. TKT. Il y a même plusieurs monsieur. Dans le tome 3, mais I swear to God. I swear to God. Le tome 2.2. En plus, c'était la canicule et tout, il n'y a pas. Il n'y a pas. Monsieur Marie les Zinzins, je l'aime bien. Exactement. Si jamais les gens n'ont pas lu La Guilde des Ombres, c'est le personnage de Summer. Son gros mot, c'est ça. Il dit ça tout le temps. Foutre fure. C'est drôle. C'est rigolo. Mais les gars, pour ceux qu'on lit, La Guilde des Ombres, le tome 1. Et pour ceux qui connaissent, comment il s'appelle déjà? Oui. Camar. Le monsieur qui s'appelle Camar. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis encore en train d'y penser. Personnellement. Pardon. Et pour ceux qui ont lu, bien sûr, j'adore Béladine. Le meilleur, le plus drôle. Je l'aime trop. Mais Camar, il est toujours là. Il est toujours là. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis toujours là. Suis. J'ai reçu le tome 2. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas lu? Le 1, c'est pareil. J'avais lu 10% en anglais. J'ai dit, nia, non, j'aime pas. Et après, j'ai lu House of Beating Wings, que tout à coup j'ai aimé. J'étais en mode, wait. Donc, je vais redonner une chance à Frost quand même, le tome 1. Je viens de recevoir le tome 2 de la part de la maison d'édition. Je vais réessayer le tome 1. Parce que. Voilà, c'est ça le problème. Et dès le début, j'étais. Mais je sais toujours. Ça me. Oh, oh, tu l'as lu en VO, Broken Bones? Okna avec la plume. Ça ne m'étonne point parce que moi, j'ai commencé l'autre saga de l'autrice, Jay Bree. Son autre saga qui est plus fantasy epic fantasy, enfin bref. Et pareil, l'écriture, j'étais un peu. Veuillez m'excuser. J'étais un peu coussi coussa, comme on dit. Parce que c'était pas impeccable. Il y avait toutes des histoires dans l'autre série comme quoi la jeune fille elle avait perdu toute sa famille, c'était un drame et tout. Elle venait de perdre toute sa famille et là du coup elle devait partir un jour sans retour et faire des trucs. Mais en fait elle venait de perdre toute sa famille et elle était vraiment en mode ah lui il est trop beau. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'elle venait de perdre toute sa famille. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup je J'avoue. Dans le même état que ma chambre, mais pas pour la même raison. Pour ceux qui ont lu, c'est très drôle. Ceux qui n'ont pas lu, c'est pas drôle.
Yes! J'ai fait acheter une pizza. Ça, c'est influenceuse, vous avez vu? Moi, on dit je suis influenceuse littéraire, je suis influenceuse pizza, les gars. J'avais ma pizza. Et ben, j'ai fait acheter une pizza quand même. Donc, je vais parler à mon pizzaiolo, là, le monsieur qui vient là-bas. Je vais lui dire, écoutez, tous les samedis, je fais un live pizza. Les gens aiment bien, les gens veulent goûter. Faites les pizzas en ligne. Ouais, t'as peur d'être déçu par la traduction française de Fourth Wing? Alors, disons que ça va pas être très dur à traduire. Ce que je veux dire, c'est que de base, l'écriture en anglais de Fourth Wing, c'est du new adult et c'est très basique. Simple, basique, comme dirait Orelsan. Et c'est. Voilà, donc il y a des trucs, je pense pas. Bon. À moins qu'ils fassent des grosses, grosses bêtises au niveau de la traduction, là, bon, là, je vous dirai, et puis, tant pis. Mais sinon, il y a moyen qu'il y ait des trucs que vous ne trouvez pas à la hauteur, vraiment, mais qui viennent de l'écriture de base, parce que faut pas s'attendre à de l'épique fantasy, faut pas s'attendre à de la romantasy, high romantasy, je sais pas comment vous dire. C'est plus du new adulte et c'est plus dans les vibes de ce que publie Hugo Roman, du coup. Mais avec des dragons. Genre avec pour fantasy comme ça. Mais vraiment, la manière dont les personnages se parlent, la manière dont la romance se développe, c'est vraiment comme une romance contemporaine new adult de chez Hugo. Et donc, déjà en lisant en anglais, ça se ressent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous attendez pas au pont des tempêtes, par exemple. Vous voyez? Chose comme ça. Donc, mais après, oui, la traduction, je sais pas s'il peut faire pire. Je savais qu'elle était aux Imaginales. Le week-end des Imaginales, j'étais là, j'étais présente. Les Imaginales, c'est à côté de chez moi. Enfin, c'est à côté de chez moi. Rien n'est à côté de chez moi. Ça a 1 heure et demie, mais 1 heure et demie, c'est à côté de chez moi, ok? Et je savais pas qu'il y avait les Imaginales, du coup, je suis pas allée. C'est tout. Elle a parlé de la fin de la saga et de Cam. Elle a bien rigolé sur mon ressenti. Là. Ça dit qu'elle est. JPB, moi, quand j'ai vu la scène coupée, la scène olé-olé coupée, je lui ai envoyé un gif du petit panda qui casse l'ordinateur. Et j'ai dit, je vais faire ça à ton ordinateur. Parce que vraiment, vraiment. Et les Alienals, par contre, c'est trop loin de chez moi. C'est dans le nord. Et moi, je suis dans le nord-est, mais non. Enfin, c'est trop loin. C'est plus loin que Paris, donc en soi. Natif. Natif, ça me dit quelque chose. Est-ce que c'est le truc de. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? L'auteur française, là! Là! Elle a écrit Fleur de Peau aussi. Ah, elle est là. Laetitia Danaé. Est-ce que c'est ça? Laetitia Danaé? Ou est-ce que c'est pas ça? Parce que je dis n'importe quoi. Franchement, j'aimerais bien, ouin, écrire un livre un jour. Mais déjà, de un, j'ai pas assez. En fait, je suis dépressive. J'ai déjà du mal de vivre. Juste ça. Et de faire YouTube, etc. Donc, du coup, l'écriture, ça me bloque tout le reste de l'écriture parce que faudrait que je sois motivée pour faire, commencer, faire et tout. Et sauf que je j'arrive pas. Et en plus, je suis anxieuse, donc du coup, j'ai peur. Genre, rien que d'y penser, je me dis, purée, il y a ça à faire, il y a ça à faire. En plus, il faut pas qu'il soit nul, mon livre, vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, j'ai trop peur qu'il soit nul, donc je commence jamais. Mais, je sais pas, mais c'est du boulot, hein, et c'est complètement autre chose que de lire. C'est dur et compliqué. Coucou.
Des bisous. Que des mauvais avis des bouquins de Elis Kovar. Non mais pareil, ils nous ont proposé chez Bragelonne les collecteurs de Impact avec le roi Elf et l'autre là, comme tu dis. Et pareil, bah, je les ai pas demandé parce que j'ai pas aimé. Je les ai lus les deux, hein. Pacte avec le roi Elf et l'autre, le tome 2, je l'ai lu en anglais. J'ai lu en français et en anglais pour voir. Et j'ai aimé ni en français ni. Je sais pas pourquoi j'accroche pas. Il y a tout pour faire une bonne romantésie, si, mais j'accroche pas. J'accroche pas. Donc, je suis d'accord, je vous avoue. Pizza! T'as abandonné Air Awakens. Récemment, je l'ai vu. Je vais éternuer. Je sais pas si je vais éternuer ou pas. Ah non. Il est parti. J'ai vu une fille qui lisait Air Awakens et qui avait aimé. Donc, du coup, je me dis peut-être, peut-être. La rare à Paris, j'y vais par contre. J'ai mes tickets. Enfin, mon ticket de moi, parce qu'il n'y a que moi. Mais ouais, j'y vais. J'y vais, je vais faire le cirque là-bas. Là, 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 là. Ouais, c'est les décos de Noël, franchement. Je suis ravie. J'aime trop les décos de Noël. Mais à chaque fois, je loupe les décos d'automne, ça me saoule. Là, j'ai pu prendre que ça. Mais. Laetitia Danée, Rosaine, ah oui, et Fleur de Peau. Mais je crois que c'est elle qui avait fait aussi. Native, ou c'était pas Native, c'était. Je sais plus. Laurence Chevalier, du coup, c'est celle qui a écrit Drawid. Ah, mais celle qui a écrit Native! Ah, mais, donc du coup c'est aussi une autrice française, mais je viens de lire Druid. Jamais je le dirai bien. De elle. Il est où? Ah, il est tout là-bas. Moi, il est loin. Mais je viens de finir Drawed. Et je l'ai dévoré le truc. Je l'ai miam miamé. Je suis pas fan des persos, mais je l'ai miam miamé. Comment ne pas aimer les pizzas? Mais en vrai, ça dépend parce que chez nous, on a des pizzas, tu vois, à la base, il fait la pâte, je vais te la vendre quand même. Il fait la pâte, c'est presque du pain et tout, c'est trop trop bon. Et tu peux avoir une pizza base tomate avec plein de trucs dessus. Mais si t'aimes pas les bases tomates, tu peux aussi avoir une pizza base crème. Et c'est vraiment une pizza, genre il y a des pizzas franc-comtoises où il met des pommes de terre, de la saucisse, tu vois, des trucs comme ça. Donc tu peux vraiment avoir une pizza qui n'est finalement plus une pizza, donc peut-être tu peux aimer. Si c'est la tomate que t'aimes pas. Anyway. Comment peut-on? En fait, il faut trouver celle que t'aimes bien. Parce que, puis pareil, au niveau de la pâte, lui, il fait trop bien. Il y en a, c'est pas ça. Hein. Good Omens. Ah oui, il y a la série aussi. Ouh, j'ai acheté plein de merch, tu trouves bien? Moi, je connais pas, j'ai pas encore vu ça. De toute façon, je me tâte à regarder Viking, du coup. Je me tâte rien du tout. Mais peut-être je regarderai Viking, peut-être, mais voilà. Oui, je vais aller au Festival New Romance aussi, parce que c'est à, j'allais dire à septembre, à Strasbourg. C'est à Strasbourg, donc c'est pas trop loin de chez moi, et j'ai mon billet aussi. Je vais y aller que pour un jour, je crois, par contre. Mais je vais y aller, je vais aller voir mon Ludo, qui est maintenant auteur. Incroyable. Ses promesses maudites, ah, c'est pareil, j'en ai entendu, bah, récemment, j'ai entendu Emeline, qui avait dit que c'était. Il y avait tout pour plaire, mais que ça lui avait pas plu, je crois. Oui, c'est ça. Interesting. Ah oui, au fait, moi non plus. J'ai pas lu de la journée. Est-ce qu'on fait un sprint ou on va faire un sprint comme ça vous laisse le temps de manger. Moi, je vais vider mon assiette et je vais essayer de lire un manga, un truc. Ok? Ok, j'ai rien prévu d'ailleurs. Oh là là. Oui, l'Assassin Royal aussi. Je suis dans un mood high fantasy, donc
Oui. Basse crème. Pareil, il faut que je sois dans le mood basse crème. Parce que là, je voulais quand même une pizza. Pizza. Tomato. Je suis un short. Oui. Oui. Mais quand t'es franc-comtoise, écoute, les pizzas, la patate et la saucisse, ça va très très bien. Ouais, du coup, je vais découvrir ces autres livres parce que j'ai trop bien aimé. J'ai bien aimé Druid. Ah, toi, t'as aimé ces promesses, il faut que je teste. Je l'ai en anglais, du coup. Ok, alors je vais essayer de trouver un ASMR. Tant, je sais pas quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Dites-moi si ça bug. Si jamais vous me dites que je vois pas parce que je suis plus sur la même page. J'essaie de trouver un ASMR et je vais essayer de lire parce que. Ride à ton qui. Le Rida Donnez-moi un ASMR, Mimi, s'il vous plaît. Pas avec trop. Oh, ça c'est Mimi. Ou j'aime bien. Pardon, il n'y a pas hurlé. Et donc, je vais vous le jouer. Partager. Partager l'écran. Ça bug déjà. Déjà, ça bug. Déjà. 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 Wow. Ouais. J'espère que c'est pas trop fort. Ma voix qui est trop fort, ouais. Voilà, je vous laisse avec ça si jamais vous savez pas ce que c'est des sprints. C'est en fait en ligne. Moi je vais couper mon micro. Je vais des fois couper ma caméra parce que des fois je vais aller peut-être descendre mon assiette ou faire des trucs comme ça. Mais sinon je laisse ma caméra et je vais essayer de pas lire ça, mais c'est pas grave. Je vais essayer de travailler en ligne ensemble. Et vous pouvez lire avec moi, il y a un petit. Voilà. Et on se redit, on revient se causer. Alors là, il est 19h. Donc, si on fait 40 minutes, on revient à 19h40 ou 45. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais mettre la petite bannière. Alors, 21h40, c'est un peu beaucoup. Je vous avoue. En fait, pour. Ok. Ah! Jusqu'à, du coup, 19h. Il n'est pas tard. Jusqu'à 19h45. Et à 19h45, je vais faire. Et je vais revenir vous causer. Est-ce que ça vous va? Ah, commentaire, discours. Et du coup, tu lis quoi en ce moment? Ma pile. Ouh, je sais même pas. Attendez, attendez, je sais pas. Attendez. Ma petite pile à lire pour le challenge. Attendez. Attendez. C'est ça. C'est ça ma pile à lire pour le challenge. C'est très jaune. J'aime beaucoup. J'ai mis des petits mangas. J'ai mis un petit Bitolite. Donc celui-là, je ne sais pas si je vais le commencer maintenant. Je ne pense pas. Je vais lire un petit manga, je pense. Et ça, c'est un livre-livre. Un livre-livre. Un petit manga. MM, donc Yaoi. Un petit manga. FF. Donc avec des filles. Un petit livre graphique sur une dame qui aime bien les livres, donc moi, et deux petits webtoons que je vais lire aussi. Donc soit je lis un webtoon, soit je vais lire un de ces petits livres-là pendant le sprint. J'ai hâte de lire du coup Adam Binder. Franchement, on manifeste la pluie. On manifeste, ça va pas cliquer. On manifeste la pluie. Ça va pas décliquer. Je vais peut-être lire mon voisin de matériel. Je vais choisir. Voilà. À tout.
Salut! Du coup, à tout à l'heure. Alors, attendez, je vous remets. Voilà, à toutes.
Zéro-moi. Et le ventilo. Re-je-lis la meilleure chose de l'univers. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est mon voisin le métalleux de Mamita dans la collection, à ma collection. C'est un petit manga yaoi. Et c'est incroyable. C'est la meilleure chose. Je suis trop contente. C'est trop bien. C'est trop bien. Je hurle. Ça fait du voir pendant que je lisais. J'étais là. Pendant 4 heures parce que c'est trop bien. J'en suis à la moitié. Oh. C'est trop bien. Oh, yes. J'ai chaud. J'en ai marre d'avoir chaud. C'est trop bien. C'est trop bien. Le monsieur, il a de l'anxiété sociale. Le monsieur, donc, qui est métalleux, là, qui aime bien le métal, qui a les cheveux longs et qui fait peur et tout. En fait, au départ, il est tombé là-dedans. Enfin, il a commencé à bien aimer le métal parce qu'il a de l'anxiété sociale et il n'arrive pas à parler aux gens. Et en fait, il a vu des gens qui aimaient bien le métal, etc., et qui avaient l'air de faire peur. Et donc, il s'est dit, si je fais peur aux gens, comme ça, j'ai pas à parler aux gens. C'est pour ça qu'il aime le métal. Et il n'arrive pas à parler, il a de l'anxiété et tout. Et il y a son petit voisin qui vient manger chez lui. Et... Je vais caner. C'est la meilleure chose. Purée, je croyais que j'avais trouvé le meilleur manga avec La Fée des Neiges. Mais il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Incroyable, incroyable, trop bien. Oh là là, Ça va-t-il bien? Achille a eu un petit joujou aujourd'hui. Je suis rendue le texte là. Il a eu un petit joujou parce que je suis allée. J'ai l'impression que je brille, mais je brille parce que j'ai la peau grasse. C'est très bien. Il a eu un petit joujou parce que je suis allée chez Action, j'ai acheté ces petits trucs là. Et donc il est avec son petit joujou, il est tout content. J'ai remis la wifi au fait. J'espère que ça bug pas trop. J'avoue, le ventilo, je pourrais le couper, mais je peux aussi mourir de chaud. Également. Il faudra que j'ouvre les fenêtres quand il fera plus frais. Not now. Les outrepasseurs tombent deux, purée, ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de cette saga. C'est vieux, ça date, la saga Lux. Mais oui, le tome 3. Ah oui, mais est-ce que c'est petit pas? C'est Titi pas? C'est-il pas à la fin du tome 3, justement, qu'il y a un énorme cliffhanger? Tu nous diras ça, mais je crois bien que c'est à la fin du tome 3 de Lux qu'il y a un énorme cliffhanger. Ou alors c'était à la fin du tome 2. Je sais plus, mais il y avait eu une histoire comme quoi en français, le tome d'après avait mis 107 ans à sortir. Et le cliffhanger. Heureusement que je les ai lus en anglais. Ah mais oui. Je vois tout à fait de quoi tu parles parce que pour moi ça avait des vibes. Ce moment-là, ça a des vibes de la série The 100. Comme on dit en France. The 100. The 100. Si vous avez vu la série The 100, enfin, The 100, comme le nom. Bref. Il y a un moment, ils sont dans une montagne et ils font un sauvetage de certaines personnes dans une montagne. Et ça m'a fait trop penser à cette scène dans le tome 3 de Lux. Je suis très vite de savoir ça.
Pilou des bois, c'est trop mignon. J'aime trop. C'est trop mignon. Je crois bien que c'est à la fin du tome 3 qu'il y a un pire cliffhanger et que les gens attendaient le tome 4 et qu'il sortait pas en France. Red Queen. Je m'attendais pas à l'aspect électricité. Arme à feu, etc. Ah ouais, moi aussi je croyais que c'était de la fantasy médiévale là. À cause de Queen, franchement. Je crois qu'il y avait des royaux et donc c'était de la fantasy médiévale. That's about it. Mais apparemment, non. Ou demain, et demain, et demain, et demain, et demain, et demain, et après-demain, et après-après-demain. Pourquoi ils n'ont pas dit? Parce que les. Si, ils disent les Anglais après-demain, ils disent the day after tomorrow. C'est un peu long. C'est peut-être pour ça. Mais ils auraient pu mettre demain et après-demain et après-après-demain. Je vous laisse tranquille. Mais pareil, je me demande si je vais le lire ou pas, ce livre-là. J'avais lâché à partir du tome 2. Je regarde tes anciennes vidéos, tu parlais des démons. La vie! Ouais, pareil, il faudrait trop que je la relise, la saga Lux. J'y ai pensé récemment en lisant le début du Sang et la Cendre, là, de la même autrice, Jennifer Larmentrou. Et ça m'a rappelé. Il y a Marine Glight, là, qui. Peut-être la baisser un peu. On va se calmer. oui. Jennifer Larmentrou, je me rappelais de la saga Lux et je me rappelais que Cathy, la fille principale dans la saga Lux, elle était bookish et elle avait un blog de livres. Elle était booktube, enfin bookblogueuse. Parce qu'à l'époque, à l'époque, il y avait des blogs. Et donc. Et dire que je lisais ça, j'étais au collège et j'étais ah, trop bien, là, un blog avec des livres. J'aimerais trop pouvoir faire ça, mais j'arrive pas et tout. Et here I am, BookTube. Même en VO, c'est sûr. À tomorrow and tomorrow. And the day after tomorrow and the day after tomorrow. And the day after tomorrow. Je les ai jamais lus. Mais I'm happy que ça fait du bien à ton moral, par contre. C'est trop cool. Le tome 5 de ma collection. Pareil, j'ai lu le tome 1. Je suis intriguée par certains des personnages qu'il y a dans d'autres tomes, donc je vais peut-être continuer un jour. Je sais pas si je vais lire le tome 2, parce que le tome 2, c'est sur les personnages du tome 1 et ils m'ont saoulée. Sorry, tout ça. Mais peut-être qu'un jour, je continuerai. Ouh là là, live Insta avec Rebecca Yarros. Je suis jamais sur Insta quand il y a des lives Insta. Donc non, j'avais pas vu. Du coup. J'ai lu 2 pages. Littéralement 2 pages. Pour l'instant, ça va. Les 2 premières pages sont pas mal. C'est bien. Réseau tome 1, je connais pas. Peut-être que je connais la couverture, mais. Là, ça ne me dit rien pour l'instant. Ça me gratte toujours le nez, même en live. J'en ai marre. Vous savez quoi aussi? Ça me gratte le nez depuis que je m'étais fait opérer du nez pour qu'il soit droit. Mais regardez, il n'est pas droit. Mais en vrai, c'était juste pour que je respire mieux. Mais en vrai, je respire pas mieux. Et il est. Non, de l'autre côté. Il est penché de ce côté-là. Bref. Bref, je m'étais fait opérer et il m'avait mis un espèce de. Comme un piercing au septum, c'est le septum, c'est ça? Ici. Il m'avait mis des vis là, des trucs. Et depuis, ça me gratte tout le temps. Et donc, je pense qu'il y a une corrélation. Trop ça et moi. Une opération. Bref. Coucou Zoé, des bisous. Moi et mon nez qui gratte.
De Prison Healer, j'avais commencé le tome 1 et j'avais trop aimé. Est-ce que j'ai continué? Non. Est-ce que je veux continuer? Oui. Est-ce que je veux adorer? Oui, je pense. Je pense que oui. Oui. Je veux trop. J'ai hâte. J'espère que je vais aimer. Purée. FF, pas très connu. Quelqu'un dans le chat. Déjà, sur ma pile à lire, j'ai ce petit Yuri, ce petit manga qui s'appelle Sirius et qui est sur deux jeunes filles. Je crois qu'elles sont amoureuses normalement. Normalement, elles sont amoureuses. Sinon, je suis déçue. Je pense que c'est un Yuri. Je pense, j'arrive pas à dire ça. Et aujourd'hui, en magasin, j'ai vu un livre que j'ai prêté à ma sœur, donc du coup, je ne l'ai pas sur moi, mais il y a 6 mois avant de Clara Duart, qui est publié chez Hachette, qui est un contemporain avec un peu de réalisme magique, où il y a deux jeunes filles qui se rencontrent et qui sont amoureuses, et il y en a une qui va disparaître pendant 6 mois, et qui va revenir 6 mois plus tard, comme si de rien n'était, et elle disparaît tous les 6 mois. Et c'est trop bien. C'est très bien. Sinon. Récemment, je sais pas. Zodia. Les coups de cœur de ma vie, trop bien. Je suis trop contente. Trop ravie. Moi aussi, je pensais que j'allais pas aimer. Les deux, d'ailleurs, en fait. Je sais trop. Oui. Et pour que ça fasse au moins une personne à qui parler, parce que j'ai vu un truc sur les réseaux récemment, un truc où c'était quand tu lis un livre qui est trop bien, mais qu'en fait, il y a personne qui connaît, donc du coup, tu fangirls tout seul. C'est vraiment moi avec la plupart de mes livres préférés. C'est vraiment ça. Mais. Ah, bah pareil, je suis vraiment dans un mood. J'ai commencé plein de trucs, mais j'arrive pas. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce readathon. Parce que en fait, ça me fait lire des trucs comme ça qui sont incroyablement trop cool et trop mimi. Je vous remontre, mais c'est mon voisin le métalleux. C'est un petit manga. Et c'est incroyable, c'est trop bien, ça se lit super vite. Et au moins, ça fait un truc de plus de lui. Et c'est trop bien, je suis trop contente. Ce qui m'a fait penser à ça, c'est que j'ai lu Druide de Laurence Chevalier et je l'ai lu vraiment d'un coup. Et je me suis dit, ça fait longtemps que je n'ai pas lu un truc qui se lit vite. Alors lui, je ne l'ai pas mis sur Goodreads. J'ai trop mangé. J'ai trop mangé. Comment j'ai deux pizzas? Alors, c'est quoi le magasin? J'aime trop. Ça va être 5 étoiles, c'est sûr. Ça va être un fave, c'est sûr. Ma vie. Ah, il y a une petite fille qui est trop sassy et tout. J'ai pas mis que j'avais fini Drawwood. Je l'ai fini Drawwood. Pourquoi ils ont pas mis? Oui, je l'ai fini Drawwood. Me trouve méprise. Cette... En fait, c'est parce que j'ai pas allumé ma lumière et parce que j'ai que ma ring Ça fait vraiment une lumière. Voilà, c'est tout. Ouais, je ne l'ai pas encore lu, mais ouais, ça me dit aussi. Les mangas, la vie. Les mangas, la vie, les graphiques pour se remettre un peu dedans, mais ça, c'est la chaleur, hein, c'est la canicule. C'est la canicule, c'est la cuticule, c'est la tentacule. C'est pour ça que j'avais créé un groupe sur Instagram où on parle
de Zodiac, il parlait de Force Wing aussi. Si jamais j'ai un Discord qui est public, il y a un Discord pour mon Patreon, mais il y a aussi un Discord public pour fangirler. Si jamais tu vas trouver ça dans mes vidéos, dans les descriptions des vidéos, j'ai écrit Discord et il y a un lien qui normalement te permet d'y accéder. Et il y a des discussions express sur Zodiac et sur Fourthwing. Est-ce que tu m'as déjà pas dit ça? Voilà, si jamais tu veux venir avec nous. Yes, Orion. Parce que Xayden, en vrai, il n'y a pas moyen de kiffer quelqu'un d'autre que Orion. Mais donc, est-ce qu'on se refait? On se refait un sprint que je finisse mon manga. Et après, je vous laisserai tranquille. Je pense. Oui, en plus, il est 20h. Il est pile 20h. Non, pas encore. Mais je les ai, ces mangas. Je ne les ai pas encore lus. Alors, je vous remets la SMMR. Et on se refait, on va dire 30 minutes, parce que je pense que je vais avoir besoin de 30 minutes pour finir. Donc on se revoit à... Allez, c'est parti. À tous.
Coucou. Coucou. Oups. Oups. Mais tout au bien-être, il y en a une toute petite à la fin. That's not what you said. On arrête. Je viens d'updater le vlog parce que je l'ai fini. C'était trop trop bien. Un gros coup de cœur. Je vous dis, mon préféré de l'année, c'était La Fée des Neiges, que j'ai vraiment trop trop adoré. Mais celui-là, il est en ex-aequo parce que vraiment. Je l'aime trop. C'était trop bien. C'était trop mignon. La représentation pour anxiété sociale, j'ai pleuré. Trop bien. Et si jamais la scène olé olé, c'est la scène bonus à la fin. Il y a une scène bonus pour ça à la fin. Donc si jamais vous voulez pas lire ça, vous ne lisez pas la scène bonus. C'est tout. Et, mais du coup, c'était trop mignon. C'était trop bien. J'ai adoré 5 étoiles pour le cœur. C'était trop bien. J'ai trop aimé. C'était trop cool. Donc voilà. Mais du coup, ouais, j'étais. C'est le bonus. Oui, non, le live ne dure pas 48 heures. Ce serait bien, mais. Ouais, non, du coup, le live dure pour ce soir. Et j'ai acheté ça chez Action hier, non, aujourd'hui. J'ai acheté. Un energy drink là, je ne vais pas le prendre maintenant parce que sinon après je ne vais rien dormir de la nuit. Déjà que j'ai des insomnies, ben, voilà. Mais je me dis peut-être que je pourrais le boire demain. À mon avis, demain, si je ne dors pas et que je suis fine zinzin, peut-être que je referai un live aussi demain. Donc on se reverra peut-être demain, je ferai peut-être 2 lives. Mais là, on fait le live pendant cette soirée. Après, je vous laisserai tranquille un petit peu cette nuit. Et puis oui, le 48 heures, c'est pour le readathon, donc c'est-à-dire qu'on se challenge à lire le plus possible pendant ces 48 heures, pendant le week-end. Et donc moi, j'avais fait ma petite pile à lire, j'avais mis plusieurs livres ensemble que je veux lire. C'est tout cela, et pour l'instant, j'en ai lu qu'un. Oui, je sais, on est déjà à la moitié du challenge, mais voilà, pour l'instant, j'ai lu celui-là. Je vais peut-être, on va peut-être refaire un petit live et je vais peut-être lire celui-là. Comme ça m'en fera deux faits pour le petit live. Mais voilà. Voilà. Parce qu'en fait, il est pas tard. Moi, perso, je me suis lavé le visage. J'ai toujours des boutons, mais je suis moins grave. Il faut que j'aille me mettre en pyjama. Je suis déjà en pyjama en soi. Parce que... D'ailleurs, c'est ça que ça me... Ça me fait trop rire dans ce truc-là. Le monsieur, comme c'est un métalleux, il aime bien le métal, il met toujours des t-shirts noirs avec des noms de groupe dessus. Et genre, il y a ses t-shirts pyjama et ses t-shirts pour la vie de tous les jours, et c'est les mêmes. Il met les mêmes t-shirts pour dormir et pour la vie de tous les jours. C'est moi. C'est beaucoup moi. Donc, il y avait plein de petits clins d'œil comme ça qui étaient beaucoup moi. On voit le monsieur. Quand il était petit et comment il gérait son anxiété sociale. Et... Ah là là, heureusement que c'est pas trop long les mangas, parce que sinon on aurait pleuré. et puis ouais, et puis il se rend compte qu'il est seul et qu'il a du mal à communiquer. Il s'était fermé, il essaye de pas avoir d'amis, de parler à personne. Et en fait, ils sont super seuls. Et donc, mais en même temps, il n'arrive pas à parler. Donc, moi, voilà. Mais c'était trop bien. J'adore. Toi aussi, t'as fini. Qu'est-ce que tu lisais, Miss Foxy? Par contre, j'ai espoir d'ici la fin de la saga, il y en a une qui est décrite pour de vrai et pas juste les sensations de Cathy. Mais le vrai Ty. Non, je crois que t'es toujours. Quoique, Lux, ouais, ça va pas être décrit. À mon avis, le sang et la cendre, c'est pire. Parce que ça reste du young adulte quand même. Mais ça s'améliore dans la série. Keep going. Keep going.
Ok, trop cool. Bah, je vais essayer demain. Tout ça parce que j'ai acheté une boisson énergisante. Que je veux pas gâcher mon énergie. Witch and Gold, le tome 1. J'ai lu récemment, je fais que de parler de druide. Druid de Laurence Chevalier. C'est ce livre-là, si jamais. Je sais pas comment vous montrer. Qu'est-ce que je peux vous partager? Mais en tout cas, ça m'a fait penser à. Je crois qu'il n'y a pas mon adresse comme sur. Alors, c'est pas ça. Druid. Ça m'a fait penser à Witch and God, justement. Parce que c'est une fantaisie française. Je peux vous partager. Si, 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 si. Regardez. Oh, non, regardez pas. Non, ouais. Voilà, c'est ça. C'est de ça dont je parle. Voilà, c'est le livre Druid de Laurence Chevalier. Et je l'ai lu d'une traite, je l'ai dévoré, le truc. Et c'est une romantésie française et ça m'a fait penser à Witch and God. Witch and God aussi, c'est français. Et j'avais bien aimé Witch and God. Je pense que c'est un peu plus léger, un peu plus rigolo, un peu plus, je sais pas, léger, feel good et tout. Druid, c'est un peu plus dark quand même, mais ça se lit tout aussi bien et c'est de la fantasy française. Donc voilà. J'ai déjà chaud. Désolée. Il faudrait que j'ouvre mes fenêtres, mais je veux pas que les bêtes elles rentrent. C'est l'heure de l'été. Les jumeaux croches, non, ah, je le connais pas. Ça me dit quelque chose, c'est peut-être la couverture que j'ai vu passer plusieurs fois. Je me disais, qu'est-ce que c'est? Princess Man! Tête qui tient à sa personne, tellement d'espoir! C'est un petit peu, mais je te dis, ce sera pas le son et la centre. Ce sera pas pareil. C'est dans quoi? Dans quoi? Ah, Witch and God? Oh, oui, ben oui. Je me rappelle, moi, je me rappelle de. Il m'a vite saoulé, le monsieur. Mais je me rappelle de la première fois où ils se rencontrent. C'était trop drôle. Ça m'a tué. Je me souviens de ça. Ça m'avait tué. Parce que lui, il est en loup. J'ai pédé. C'était grave drôle. Un sorcier dans l'éternel. J'ai trop aimé. Je l'ai vu cette année. En anglais. A Curse of Dark Enemy. Et j'ai trop aimé ce tome 1. Faut que je lise la suite. Oh, c'est cool. Faut que je lise la suite. Cassandra O'Donnell. Ça me dit quelque chose. Mais un tout petit quelque chose. Je suis pas sûre. C'était vraiment ça. C'était grave drôle. Si jamais vous savez pas de quoi on parle de Witch and God, le tome 1. C'était grave drôle. Le monsieur, il est en loup quand il se rencontre pour la première fois. Elle est là. Oh! Elle croit trop que c'est un chien. Elle fait coucou, toi. Alors que le mec, il est hyper grognon. Il est hyper blasé. Du coup, il est là. C'est grave drôle. J'aime trop. Le prieuré. Je pense qu'on ne peut pas avancer vite dans le prieuré de l'oranger. Ou alors une relecture, mais t'avances doucement, c'est normal. Tout le monde t'avance doucement. Je n'ai même pas encore lu. Il est là. Et le tome 2 aussi, mais je n'ai pas encore lu. Réservé à un médiathèque qui vient juste de le recevoir. Witch and God ou something else? Ah non, un sorcier noir éternel. Ok. Je me demandais de quoi parler. Mais oui, trop cool. J'espère que t'aimes bien.
J'ai bien aimé. Par contre, c'est du young adulte. Il faut vraiment s'attendre à une romantique si young adulte. Mais c'était vraiment sympa. J'aimais bien. Moi, j'ai lu le tome 2. Donc, il me reste le tome 3. Ah, il y a un tome 4. Donc, il me reste le tome 3 et 4, hein, du coup. Voilà. Une autre trilogie dans le même univers. La romance de Phobos. Phobos le livre Phobos ou Phobos le personnage Phobos? Il y a un personnage qui s'appelle Phobos? Ou pas? Je me rappelle plus. Witch and God? Oui, Witch and God. Je me concentre. Je me rappelle plus qui c'est Phobos. Oui, d'ailleurs, c'est sur Nextory. Si vous voulez payer ma 4G que je suis en train de tuer là avec ce live. Inscrivez-vous à Nextory. Mon lien, il est en barre d'infos. Et grâce à mon lien, si vous vous inscrivez sur mon lien, vous avez 45 jours gratuits. Donc presque un mois gratuit. Non, 2 mois. 1 mois et demi gratuit. Et les Witch and God, ils sont dessus. Ils sont en audio. Et du coup, j'avais écouté le tome 2 en audio moi, sur Nextory. Le tome 3, il y est. J'ai adoré Witch and God. Ça buguait trop. Il buguait le tome 3 sur Nextory? Parce que moi, je veux aussi le lire sur Nextory. Des fois, ils mettent à jour. En général, quand il y a un bug, on leur envoie tous des mails et ils mettent vite à jour. Donc, si jamais, essaye de réessayer. Ils résolvent très vite les problèmes. Donc, il est là. Sur Nextory. Qu'est-ce qui bug? Pour l'instant, ça va. Il bug pas, mais je te le dirai. Mais donc, ouais, faut que je lise le tome 3. Ils sont tous en audio sur Nextoto. Ils sont sur les trois sœurs. Après, les autres tomes seront sur les persos secondaires. Là, mon ordi veut s'éteindre. Non. Me le rappeler demain. Demain, je vais dire non. Apparemment, il y a une polémique sur Sarah Dumas. Encore? Enfin, une nouvelle ou. C'est une nouvelle ou c'est celle d'avant? Parce qu'en soi, Sarah Dumas, elle est plus là. Enfin, elle fait pas d'interview, elle fait rien. Donc. Je savais pour la polémique d'avant et faut aller chercher ce qui s'est passé sur Internet et après vous faire votre propre opinion, mais personnellement voilà. Et c'est la polémique, je crois qu'il y a eu une polémique comme quoi elle avait des chapitres bonus là dans le dernier qu'elle va sortir, Crescent City 3. Il y a des chapitres bonus suivants si tu l'achètes à Walmart ou à machin ou à Bidule. Et les gens disent que c'est de l'arnaque et que ça force les gens à acheter des livres. Déjà comme si c'était elle qui avait décidé alors que c'est tout à fait un truc marketing de sa maison d'édition. C'est pas elle qui a décidé. Et puis en plus, les chapitres, tu peux toujours les retrouver sur Internet une fois qu'ils sont sortis. Ils sont tous sur Internet après. Donc. Dans soi, je comprends le consumérisme et tout, le fait que ce soit pas une édition spéciale et qu'il y ait d'autres chapitres, et du coup c'est chiant, mais c'est pas des chapitres qui sont importants, c'est pas des chapitres qui sont essentiels, donc du coup, ouais, s'il y a un nouveau truc, je sais pas. Le prieuré de l'Oranger, il est en stand-by, j'arrive pas à m'y mettre, j'étais presque à la moitié, sachant que je sortais du coup de cœur de Force Wing, oui. Alors, en plus, Fourth Wing, c'est très rapide, c'est très facile à lire. Et donc, forcément, c'est pas pareil. Oui, Phobos, c'est un personnage. Je me rappelle plus qui c'est. Le tome 3, c'est ton préféré? Oh, j'ai hâte parce que j'ai bien aimé le tome 1, mais j'avais mis 3 étoiles. Le tome 2, pareil, je crois. Ou 4. 3 ou 4. Et je les aimais bien, mais sans plus. Ah, c'est le frère de Deimos, mais oui!
Mais oui! Ah, mais oui! Mais c'est son frère jumeau! Du coup, à chaque fois, enfin, quand j'ai lu le tome 1, je me suis dit, j'espère que le tome 2, c'est pas direct le tome sur Phobos, parce que ça fait un peu le même. C'est le frère jumeau. Mais oui, je m'en souviens. Dieu de la peur. Ah oui, c'est vrai que Deimos, c'est Dieu de la terreur. Witch and God. C'est un petit loup. Tout doux. Mais oui. Next. Pareil, j'avais découvert quand j'étais en vacances et j'en écoute pas assez. Mais parce que j'arrive pas, parce qu'en fait, j'arrive déjà pas à lire en papier. Ah, toi aussi, t'as du mal. Non, franchement, la saga Witch and God, c'est bien en audio parce que c'est bien en audio. Ça fait à peu près la même sensation que quand tu lis en papier. Mais j'ai du mal parce que je suis pas habituée à en lire et du coup, j'arrive pas forcément à me concentrer et surtout, j'arrive pas à, quand il y a une voix définie qui me dit des trucs. J'arrive pas, si c'est par exemple juste une femme qui fait tous les personnages, ou même quand il y a un cast en entier et qu'il y a plusieurs personnages, plusieurs personnes avec plusieurs voix, c'est pas comme ça que j'imagine les voix et donc du coup ça me bloque. Ça fait un peu comme les films où quand c'est pas comme ça que j'ai imaginé le personnage, je suis là. Non! Donc je suis chiante. Il est vraiment sympa. Il est vraiment cool. Enfin, je vérifie, je vais essayer. Si c'est le tome 3, je vais essayer. C'est quoi? Je vais essayer. Puis si ça bug, je leur dirai. Mais en général, tu peux leur envoyer un mail, après ils le remettent bien. L'audiobook. Ah! J'aimais bien aussi le tome 2 parce qu'on était plus dans le monde de fantasy un peu. Alors ça, mais ça, vous voyez, c'est ça aussi d'avoir de l'anxiété. Moi, même si je vivais seule, ce qui n'est pas le cas, mais je vis avec mes parents, donc c'est encore pire. Mais même s'ils n'étaient pas là, je ne mettrais même pas sur une enceinte. Genre, même ma télé, je regarde des vidéos YouTube, des vidéos BookTube. Vraiment, il n'y a rien. Mais je mets quand même une oreillette et je connecte l'oreillette à ma télé parce que j'ai peur que le son dérange les gens. Parce que des fois j'ai mes fenêtres ouvertes et tout. Alors que c'est hyper pas fort. Ouais. Coucou. Ouais, le setup était trop bien. Le 3, c'est un Grumpy Sunshine. C'est tous des Grumpy Sunshine, non? C'est tous un peu des Grumpy Sunshine. Le 1, c'est un Grumpy Sunshine. Le 2, c'est un Grumpy Sunshine, mais un peu inversé. Et ouais, c'est tous des Grumpy Sunshine, je pense, un peu. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop de la troisième sœur, par contre. Donc, du coup, je sais pas du tout. Mon auteur masculin préféré. Un homme que j'aime bien. Compliqué. Je sais pas. Il y a sans doute dans mes préférés, il y a des livres qui ont été écrits par des hommes. Sans doute. Il y a Nevernight de J. Christophe. J'adore son écriture. Dans mes livres préférés, il y a quoi? Il y a plein de livres MM que j'aime bien qui ont été écrits par des hommes, donc des romances MM. T.G. Clune. Je l'aime bien. Qui veut. Ouais. Sinon, en fantasy, je me mets à la Aïe 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 Fantasy. Donc peut-être qu'un jour, il y aura encore plus de monsieur. Coucou! Comment allez-vous? Comment ça va, Tivout? Ah. Moi, ma place!
Ouais, c'est tous des Grumpy Sunshine en fait. La meilleure troupe. The best troupe. Faut qu'on fasse un sprint. Je vais essayer de lire. Oui, Sirius. Je vais vous dire ce que c'est. Parce que moi, je sais pas. Suite à un malaise cardiaque en plein match, Dani voit sa carrière de joueuse de tennis. Oh purée, je faisais du tennis quand j'étais petite. J'étais nulle. prendre fin brusquement. Fragilisée par sa santé, mais également par la relation avec sa mère qui n'arrive pas à accepter la situation, elle vient se reposer dans un petit village en bord de mer. C'est là qu'elle fait la rencontre de Blanca, une jeune fille passionnée d'astronomie qui lui fera découvrir l'immensité du ciel étoilé et des possibilités qui s'offrent à elle. J'ai trop hâte, j'espère à fond des bisous. Sinon, ça a l'air trop bien. Du coup, il est. On va attendre qu'il soit 21h. On attend qu'il soit 21h et on relit ou on relit tout de suite. Attendre qu'il soit 21h, que ça fasse un. Que ça fasse un. C'est compliqué. T'as changé de nom? C'était quoi ton nom avant? T'es qui? Parce que là, je vois que ton nom là. Et je reconnais pas ta photo, du coup, je sais pas. Je m'approche pour regarder la photo. T'as changé de nom? Même pas dire quoi. Changez pas de nom aussi, moi. Imaginez, je change de photo de profil, je change de nom, je vais dans un chat et je fais coucou. Maman, il y a quoi? Le tome 3 de Witch and God, la représentation pour handicap moteur. C'est vrai? La quota, on en parlait tout à l'heure, ça me dit toujours. Aline! Espèce de biquette. Oui, mais excuse-moi. Moi, je t'ai toujours appelée Adi Larou. Ok? Toujours, je t'ai appelée Adi Larou. Toute ma vie, je t'ai appelée Adi Larou. C'est que maintenant que tu changes. T'as pas tout à fait changé, mais Adi Larou. C'est toi. Tu l'as lu d'ailleurs, Adi Larou. Je dis toujours Larou parce que c'est les Américaines qui n'arrivaient pas à dire la rue. Donc, ils disaient Adi Larou. Et ça m'est resté. Excuse-toi, non. Ça aurait pu être beaucoup de gens parce que beaucoup de gens ont lu Adi Larou. Hein? En plus, je connais beaucoup d'Adeline, donc. T'es qui? Tu l'as même pas lu? Un livre qui parle de toi, tu ne le lis pas? Bon, j'ai mis 4 étoiles, cela dit. C'est pas la meilleure chose, mais. Adi! Grave cool, et test. Je sais pas si tu veux. Vu que tu as aimé Sorcery of Thorns. En vrai, Adi Larue, c'est trop long. Tu verras, c'est trop long, mais en vrai, c'est bien. Ah, c'est vrai, on t'appelle comme ça depuis quand? Oups. Emma, moi qui croyais que tu étais boobiche. J'avoue. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Mais si un jour tu lis Adi Larue, Larue. Donc, on lit à 21h. Je vais dire ça. Je crois que je vais. En fait, mon problème, c'est que pendant les sprints, je lis pas. C'est ça mon problème. Je vais aller boire un coup. C'est ça déjà que ça va pas. Ta review sur Adi. Ça a l'air ennuyeux. Déjà, ma review, elle est ennuyeuse. Non, mais c'est long. C'est long, c'est contemplatif, c'est long. C'est long et c'est contemplatif et c'est long. Faut aimer les livres d'ambiance comme ça qui sont très contemplatifs.
est long. Mais en soi, c'est bien, mais c'est au niveau de la romance, j'étais partie pour un truc. En fait, c'est parti dans un autre truc. Et d'un côté, j'aimais bien, d'un côté, j'aimais pas. Et après la fin, j'étais plus sûre. Et la fin est un peu ouverte, donc du coup, même vous, vous n'êtes pas sûre. Enfin, même l'autrice n'est pas sûre. Donc du coup, on n'est pas sûre. Ouais, tu vas voir que tu habitais à Vinon-sur-Sarthe. C'est Sarthe ou Sarthe? Je sais plus. Vinon. Mais ça me tue parce que les Américaines, elles ont des sweatshirts. Comme moi, là, j'ai pris The Serpent and the Wings of Night, mais elles ont des t-shirts à Dillaroux et il y a écrit Vinon-sur-Sarthe. Ils ont vraiment trop hâte de voir les petits villages près de chez moi. Surtout que les petits villages près de chez moi. Le trou boueux. Il y a vraiment un village qui s'appelle comme ça. Le trou boueux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme village en France? Le village de mon cul. Ça existe. Et ouais, trop hâte qu'elles aient des sweatshirts. Vinon sur Sarthe, ça va encore, mais ça m'a tué. Bonsoir. On va repartir pour un petit reading. Sprintus. Spiritus Sanctus. Vos t-shirts. Le titre de roman soléolé. Titre de ma prochaine vidéo. Asboda. Bref, on va remettre le petit ASMR puis, n'est-ce pas? Petit, tout est petit, et on se retrouve. Parce que je vais le lire en une demi-heure. Ouais, il a l'air petit, donc du coup, on se retrouve dans une demi-heure à 21h30. Hein. Je vais remettre ça correctement. Voilà. 21h30. On se retrouve bientôt. Franchement, je comptais 6 800. Je te jure que leur sweatshirt, c'est ça. Leur sweatshirt à Adi Larou, c'est vraiment écrit le trou boueux 1800. Adi Larou. Oui, d'ailleurs, je t'avais interrompu, pardon. Après, oui, tu retournes au cours sur la psychose. C'est la même chose. C'est pareil. Du pareil au même, je pense. Ça a un rapport, quand tu penses. Bref. À tout à l'heure, dans le tracteur. Allez boire.
Allez, je vais un petit peu dans le. Coucou, coucou. Faut que j'arrête de ne pas lire pendant les sprints parce que du coup, j'ai pas pu finir mon graphique. J'en suis à la moitié. Mais c'est trop bien. C'est la version FF de ça. Genre, really. Bon, c'est pas la même histoire. Il n'y a pas d'anxiété sociale ni rien. Mais c'est pareil. C'est une petite histoire mignonne, romance. Trop, trop mignonne. J'aime trop. Je suis trop contente. Pourtant que ce soit vraiment Ayuri, j'avais peur. J'avais peur qu'elle tombe pas amoureuse. En fait, si elles sont trop mignonnes. Je les aime trop, la fille qui est championne de tennis mais qui a eu un problème de cœur. Et l'autre fille qui aime bien les étoiles. Et ça en Espagne. C'est trop mignon pendant les vacances. Elles sont trop mignonnes, je les aime trop. J'adore, ça va être un coup de cœur aussi celui-là. C'est trop bien, surtout que les étoiles. Tout l'esthétique du truc, c'est les étoiles. Donc, forcément, c'est magnifique. C'est trop beau. Je l'aime trop, je les aime trop. Si vous voulez, j'ai lu que la moitié, mais si vous voulez un petit Yuri à lire, un petit FF en manga, lisez ça, c'est trop mime. C'est le tome 1. Ah non, ça n'a pas l'air d'être le tome 1, donc ça se trouve, ce sera peut-être un one shot. Donc, encore plus hâte. Je suis trop contente. Si vous voulez un petit yaoi, celui-là. Si vous voulez un petit yuri, celui-là. Voilà. Mes recs d'aujourd'hui. Deux petites 5 étoiles pour aujourd'hui. Faut jamais sur mon goodery. Ah! Goodreads. Oh coucou! Un deuxième graphique de fini. Bah moi j'aurais pu si j'avais pas fait autre chose. Oups, pas fini le chapitre! Lightlark. Je l'ai pas lu encore Lightlark, donc je sais pas qui est O et qui est G. OMG. Donc du coup je l'ai pas encore lu, donc du coup je sais pas encore. Ma team. Je ne peux pas te dire. Je ne l'ai pas encore lu. Combien de temps qu'on en rêve? Ah, ça va, hein, j'ai déjà fait pire. Mais ces petits mangas sont trop bien. Je vais. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire durer le live trop trop longtemps. Si jamais vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes fatigué. Si vous en avez marre. Quel est le nom de l'autrice? Anna. Ah oui, c'est Anna Sanchez. Donc en fait, c'est peut-être une Espagnole qui a écrit ce manga, qui est la manga que ça se passe en Espagne, c'est trop bien. Currently reading, et c'est trop bien. Ah, oh, j'ai pas encore mis. Ah, si, si. Voilà, je date mon Goodreads parce que sinon. Ah, il y a des teams G. GG, GG. Mais ouais, je referai un live demain de toute façon parce que mon papa m'a dit, tu vas faire un live parce que t'as acheté une canette. Oui. C'est comme ça que ma vie se passe. Ok? Ok. Là, j'ai fait un live parce que j'avais une pizza et il fallait que je partage avec vous. Et le seul moyen de partager, c'est de faire un live. Ensuite, je me suis acheté un energy drink que je trouve trop cool. Et pour fêter l'occasion, je referai un live demain. Le manga que tu as adoré, c'est The Land of Lydia. Oh, je connais pas. Wait, 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 wait. Je vais faire la recherche sur Amazon. The Land of Lydia. In the land of. Ah oui, in, pardon. Oh, c'est un Yuri. Ça a l'air bien. Chez Doki Doki. C'est ça. De quoi est-ce que ça parle?
quoi est-ce que ça parle? Réincarné 200 ans plus tard dans le monde virtuel de Lee Dale. Après avoir perdu la vie à la suite d'un terrible accident, Kaina se réveille dans le corps d'une haute fée du nom de Kaina, mais ça s'écrit pas pareil. Ce n'est autre que le personnage qu'elle s'est créé sur Lee Dale, un jeu de rôle. Ah, trop bien, un truc de jeu de rôle! 200 ans se sont écoulés depuis l'époque où elle jouait. Sa première quête consiste donc à comprendre ce qui s'est passé durant toutes ces années. Elle n'est pas au bout, c'est surprise. Trop bien, ça a l'air très sympa. Il n'y a pas de romance. Mais ça a l'air mignon, hein, pour ceux qui aiment bien les jeux vidéo. Je l'ai pas encore, je l'ai pas lu non plus. Ah, chez Fallen for the Sky, et je suis pas sûre parce que je suis plus dans ma période fanfiction. Donc, voilà. Et si un jour ça me revient, parce que ça m'est revenu cet été avec le film À Contresens, j'étais à fond dans ce genre de livres et de films. Peut-être que ça peut revenir. Bah, du coup, j'ai même pas regardé combien de livres j'ai lu cette année pour l'instant, parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé mon challenge Goodreads. Je sais même pas si je suis arrivée à 100 déjà ou pas. Ou si j'ai dépassé, je sais pas du tout. Ah non, j'ai pas dépassé. J'ai cru que j'avais lu beaucoup plus. Mais j'ai lu, attention les yeux, 69. 69 books. Je sais pas si vous voyez droit ou pas. J'en ai lu 69 sur 100. Donc, en vrai, il faut que je me bouge le popotin pour arriver à 100 avant la fin de l'année. Hello. T'as vu qu'elle est trop bien, ma canette. Elle est belle. Il y a un petit ours polaire. En fait, ça doit être un peu pareil que du Red Bull, je pense. Il doit y avoir de la taurine ou je sais pas quoi, donc je vais peut-être mourir, mais. Mais ce sera pour la bonne cause. Peut-être que je ferai un live demain matin, enfin matin, début d'après-midi, puisque si je bois ça, il faut que j'ai de l'énergie pour toute l'après-midi. Vous voyez ce que je veux dire? Cozy Fantasy. Ah, ok. Page 109 sur 100. Ah non, page. Des livres, t'en as 109 sur 100. Trop bien. Oh, je les ai bien. Neil Gaiman. Ah oui, Good Omens, on m'en a parlé tout à l'heure. Cool. Le dauphin, c'est comme le Red Bull. Ça, c'est pas du dauphin, c'est un truc de action. C'est du berry marshmallow energy drink. Et c'est écrit en néerlandais, du coup, je sais pas. Mais ça doit être un peu pareil, je pense. Ça doit être pareil. Demain après-midi pour avoir de l'énergie. Là, il faut que je prenne un truc pour dormir. 71! C'est déjà mieux que moi. Écoute. 77, et t'as jamais eu autant de panne de lecture. Mais comment vous faites? Moi, j'en suis à 69. À tout casser. Avec des pannes de lecture. Mais comment vous faites? Moi aussi, les pannes de lecture, moi, c'est les pannes de lecture tout le temps. Mais bref, je vais vous laisser tranquille pour ce live-ci. Je vous revois demain. Et c'est tout pour ma canette. On va canette demain. On va canner. Ah, dis-moi quelque chose qui va me scandaliser. Je veux savoir maintenant. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi. Qui se souvient? I get it. On peut pas tous aimer les mêmes choses, hein, je comprends. Surtout il est pas très fast pace. Il va assez lentement. Donc je comprends pourquoi ça a pu te causer une panne de lecture parce qu'il est assez lent niveau rythme. Donc je comprends. Mais si le pont des tempêtes. Moi, je l'ai lu au bon moment, je sais pas. Je l'ai lu à un moment et il m'a fait trop plaisir.
chercher de la romantésie. C'était l'une des rares romantésies que je trouvais. J'étais là, oh, a whole new world. Voilà, donc on se voit demain. Non mais, moi j'ai 3 vies. 30 sur 50. Non mais ça va. T'es gâté. Ça va. Allez, je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous. Demain, la canette. Et je vais essayer de lire un peu plus là, parce que je lise là. Je ne suis pas encore. Voilà. Et là, je vais finir celui-là avant d'aller dodo. Et après, je vais aller dodo. Interesting. Merci d'être venu sur ce petit, sur cet énorme live et de m'avoir regardé manger ma pizza. Et après, je suis allée me laver les dents, je suis revenue. Tout un trip. Merci d'avoir été avec moi. Des gros bisous. J'espère que tout va bien pour vous. Et à demain. Du coup, à demain. Bye.